Et salut à tous les amis, c'est le commissaire pour cette nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu. Cette fois-ci, on va s'attaquer au gouffre de Helm, le fort du royaume de Rohan. Ça va être folklorique. Allez, c'est parti. On lance la petite narration. Hop. L'anneau approche du Mordor. Et l'armée de Saruman a été repoussée dans presque tout le Rohan. Mais si la forteresse du gouffre de Helm cède, Sauron pourra triompher de tous. Ok, donc on va empêcher Saruman de pénétrer dans Fort-le-Corps. Aucun problème. C'est parti. On va voir comment ça se passe. Le gouffre de Helm est le fort le plus puissant du peuple du Rohan. Il l'a toujours protégé. Bon alors là, ils mettent plein d'archers, mais ça m'étonnerait que j'en ai autant. Quelle arnaque. Vous allez voir que je vais avoir genre 30 pelés, 40 pelés maximum. Par contre, l'armée en face, là, c'est pas des blagues. Concentrez nos forces derrière le mur. Barrez la porte et établissez un tour de garde. Déjà, c'est mauvais signe. Que tous ceux qui peuvent porter une arme soient prêts à se battre avant la nuit. Nous défendrons la chaussée et la porte par en haut. Aucune armée n'a jamais percé le mur du gouffre ou pris pied dans Fort-le-Corps. Ils se briseront sur ces murs comme l'eau sur des rochers. Les hordes de Saruman ravageront tout. Vous le savez, derrière ces murs, nous leur survivrons. Ok, excellent. Donc, préparez-vous à combattre par ordre du roi. Pas de soucis. On va se préparer à combattre. Alors, nous avons Théoden qui a un bonus de charisme. Excellent. Charge glorieuse. Requiert niveau 4. On est niveau 4. Ah oui, mais faut être à cheval. Ne subissent que 10% des dégâts normaux. Ça, c'est bien ça. Ok, de l'expérience, donc on va le mettre à cheval. Et nous avons Eowyn qui a, ok, donc un jet de javelot. Elle peut se déguiser en Rohirrim, pourquoi pas. Et monter à cheval, ça c'est quoi? Ok. Alors, on va envoyer eux là derrière. On va rajouter, du challenge des gars. Alors les paysans, on va les mettre avec les paysans avec arc. On va rajouter du challenge. C'est très simple. Oh tiens, il y a de l'argent là. Hop, va chercher l'argent. Je ne vais faire ressusciter aucun héros. Voilà, à partir du moment où l'Isengard sera arrivé, aucun héros ressuscité, aucune nouvelle troupe créée, mis à part des paysans là, dont on va être roleplay, hein. Aucune nouvelle troupe. Et en fait, s'il y a des morts, et ben on envoie des paysans qui sont cachés normalement dans les cavernes. Dans les cavernes scintillantes. Pour les envoyer à la mort. Voilà, on va faire ça, d'accord? Ah mince, il faut... Ah, bon. Je peux pas prendre les elfes avant d'être au niveau 2. Donc je vais monter l'archerie au niveau 2. Puis on va faire... Puis on va faire que des elfes. Je veux vraiment rien d'autre que des elfes. Faire face à ce mal. Restez en garde. Des cavaliers, vous revenez là. Il faudrait qu'on fasse plus de fermes, en vrai. Mais c'est pas beau de faire des fermes ici. C'est moche. Prenez vos arcs, mes frères. Moi, je veux que ce soit beau. Ouais, mais si c'est beau... Si c'est beau, c'est pas efficace. Qu'est-ce qui est plus important? La beauté la beauté de la chose ou pas? Le mec, il est à coup pour l'esthétique. Alors, Legolas, niveau 4, il peut entraîner les archers. Ça, c'est bien. Ça, c'est niveau 7. Puissante volée de flèche, pourquoi pas. Gimli, il va rester ici. En fait, la stratégie...
Tiens, je vais fermer la porte. La stratégie, c'est que ici, je vais faire une petite poterne, ok, pour pouvoir faire sortir Gimli, les cavaliers, Éowyn et Théoden, pour empêcher l'ennemi de me casser la porte ici, ok. Allez chercher le roi. Bon. Les miens arrivent. Là, il y a les elfes qui arrivent, donc je ne vais pas fermer la porte. Ensuite, je veux Aragorn ici pour les échelles de siège et Boromir de l'autre côté, par là, ok. Comme ça, ils casseront les échelles. Et au milieu, bah, on va mettre, bon là j'ai que des paysans, putain, je vais mettre ça aussi au cas où, on ne sait jamais. Je vais mettre des elfes un peu partout. Soyez des elfes. Ouvrez les portes et allez quérir le roi. Voilà les petits extraits de films qui sont sympathiques. Donc dans 6 minutes, plus aucune troupe. Donc j'espère que ça va aller vite. Le truc c'est que je produis vraiment pas de ressources. On va faire plus de fermes, tant pis, ça va être moche. Prenez vos armes, les frères. Ok, archerie améliorée. Donc à partir de maintenant, on va faire le maximum. Comment est-ce possible? Le maximum. J'apporte un message du pays des elfes. Il y a longtemps, elfes et hommes s'allièrent contre Sauron. Soyez discrets. Nous venons honorer cette alliance. Nous sommes fiers de combattre encore à vos côtés. Ils disent pas normalement nous venons honorer cette allégeance. Je sais pas. Alors. Ok, on détruit toutes les forces de Isengard et on appelle Éomer quand il arrive. Aucun problème, je pense que ça va être très utile de l'appeler. Donc, est-ce que je peux pas faire encore mieux? Non, je pourrais pas. Donc, on va appeler encore plus d'elfes. C'est parti. 3, c'est pas mal. Préparez vos flèches. En vrai, j'ai une troupe d'archers en trop. Soyez vigilants, mes frères. Parce que là, je suis à 85, ça me gêne. Préparez vos flèches. Je vais les mettre là. Marchons. Ça les tuera, mais ça me fera une troupe d'elfes en plus et je préfère des elfes à des archers pourris comme ça quoi. Là j'ai de quoi faire 1, 2, 3 troupes. Protégez les réfugiés. Des réfugiés du rang. Ok, pas de problème. On va envoyer eux là, ça devrait le faire. Ah tiens, je peux m'acheter des pouvoirs. Donc je vais m'acheter Perce Nuage. Donc ça étourdit les unités ennemies et ça c'est génial. Alors. Ah, il y a des paysans qui courent. Super. L'Isengard approche. Aux armes. Protégez les réfugiés. Non. Ouais, ils arrivent dans 4 minutes. Non, ah oui, ouais, mais ça, ils sont poursuivis par des wargs. Ok, pas de soucis. On va envoyer des gens. Ah, et on va essayer le châtiment d'Eowyn. Hop. On va voir ce que ça fait. Tirons l'épée ensemble. Ouais, pas mal. Oh, ils font pas de dégâts. C'est affolant. Ok. Bien, Eowyn. Super. Nous vous aiderons dans cette guerre. Une récompense a été déposée à la porte. Ah, j'aime. J'aime les récompenses. Donnez l'argent. Venez avec Donne moi. L'argent. Voilà, ça c'est bien. Protégez les archers. Comment ça protéger les archers? Ah oui, j'aurais demandé de protéger les archers. Ouais, pas de problème. Venez protéger les archers. Des orques sont peut-être proches. C'est bon, hop, demi-tour. Ah, il y a d'autres réfugiés. Ah, mais oui, eux, ça va les tuer comme ça. Génial. Ok. Bon, ils arrivent. Ça marche. On peut pas recruter davantage. Oui, mais je vous envoie des gens à la mort, vous en faites pas. Nous devons défendre la forêt. Alors, peut-être serait-il plus intéressant à ce moment-là de faire genre ça. Bah,
Ils sont pas poursuivis normalement. L'Isengard approche. Aux armes. Ouais, mais ils sont des kilomètres. Pour remettre eux là-bas en première ligne. Je ne crains ni la mort ni la douleur. Tant mieux, parce que tu risques de mourir et de souffrir. Parce que toi t'es venu là pour souffrir, donc. Pour la mort et la gloire. Oui, calme-toi. Oulala. Voilà, ça c'est beau. Nous devons tous être armés. Bon, c'est triste, ils vont même pas tuer ma troupe. Ah ouais, mais non. Oh, c'est trop nul, quoi. À un mec près. Bon, j'ai gagné des paysans. Bon, bah tant pis. Tant pis. Je vais faire une troupe de paysans supplémentaires pour... Attendez. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ici, on va faire une armurerie. J'en ai pas fait, hein. Non. Là, on va faire de quoi se soigner. Et on va fermer les portes. Cette fois... Ah, on peut faire les flèches enflammées, j'ai entendu. Très bien. Donc, on va les faire tout de suite. Légolas. Sont devenues dangereuses. On va entraîner tous les archers là. Flèche enflammée, ok. Ça m'embête, j'aurais voulu faire un guerrier elfe. Venez, l'heure est venue pour nous de... Mince, je peux même plus faire d'archer. Bon bah ça m'apprendra. Nous devons défendre la forêt. Tu les as entraînés là? T'as foutu quoi, Légolas? T'as entraîné personne, t'as rien fait. Il est désormais puissant. Les féoïphilines. Voilà. En position. Allez, flèche enflammée pour tout le monde. Ça arrive. Voici l'ennemi. Protégez les archers. L'Isengard est là. Soyez aux aguets. Aïe. Voilà, le point de non-retour. Donc à partir de ce moment-là, on ne ressuscite plus aucun héros, on ne fait plus aucune troupe. Enfin, je ferai quand même une troupe d'archers elfes pour justement le fait que je me suis fait avoir avec les points. Ou pas. Je le fais ou pas? Non, allez. On garde le... Préparez vos armes, mes frères. Allez, on joue le challenge jusqu'au bout. J'ai pas l'argent. Oh là là, ça va être horrible. Ça va être indéfendable. Soyez sur vos gardes. Ouais. Viens bien. Allez. Sur le mur. Il y a pas assez de monde là-bas. Restez groupés. Soyez prêts. J'ai pas assez d'argent. Ça va être terrible. J'ai pas d'armure. Oh là là, ça va être terrible. Ça va être une hécatombe. Ça va être ingérable. Non, bon allez, vous là, soyez prêts surtout. Soyez à la vue. Vous aussi, soyez bien prêts. La guerre est sur nous. Tenez les en murs. Position. Ah là là, il y a du monde. Il y a du monde. Ah, excellent. C'est génial. J'adore. Ils ont même pas tous les flèches enflammées. Ouais, mais il me faut des armures. C'est pas possible. Tant pis pour les flèches. Hein. Ils montent des échelles. Ok. T'as tué un seul mec, Légolas, c'est naze. Ok, il me faut des mecs plus par là en fait. C'est ton dernier souffle. Tiens, va faire ça au passage. Les elfes, on tire là. Légolas, utilise ton pouvoir là-dessus. Vite, tout de suite. Mais non, mais. Allez, Boromir, c'est pour toi. C'est pour toi, Boromir. Tu vas où, Boromir? Oh là 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 là. Boromir, mais qu'est-ce qu'il fout ce mec? Le mec inutile. Inutile à souhait. Ok. Bon, en fait, c'est pas gérable. C'est pas gérable. Ok, bien. Oh là là, c'est pas du tout gérable. C'est pas gérable. Boromir, corps du Gondor. Oh là là, c'est pas gérable.
Ok. Ne leur laissez aucun... Ah ouais, là, sans armure. Guerrier elf, 3. Ok, repli, on va se soigner. Mais Boromir, tu veux un café? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, ça s'est très 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 mal passé. Voilà, bien Boromir. Allez, il en reste deux. Bon, là j'ai mes armures. Ok, là ils sont trois. On va faire les flèches enflammées. Bien. Allez, la suivante. Aragorn, je suis pas sûr qu'il ait fait grand chose. On va amener Aragorn là-bas. Ok, vous, vous avez des flèches de feu. Tirez là-bas dedans. Non, vous, vous allez tirer là. C'est vous qui allez tirer là. Légolas, là. Et vous, là. Légolas, qu'est-ce que t'attends, Légolas? L'incompétence, Légolas. L'incompétence. Oh là 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 là. Là, oh là là, oh là là. Aragorn. Ok, bien. Aragorn. Aragorn, qu'est-ce que tu fous là-bas? Boromir, reviens là. Nom de Dieu. Ok, armure. Armure. Ok, on va mettre de la lumière. Voilà. Super. Toujours rien côté porte. Vous là. J'ai pas d'argent. J'ai plus d'argent. Détruisez leur bélier. Un bélier, ils ont un bélier. Bon, ils ont un seul bélier, donc ça va. Préparez vos armes, mes frères. Non, 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 restez sur le mur. Restez sur le mur. Quoique. Ah, mais ils peuvent pas sortir, j'ai pas fait la poterne. Quel idiot. Est-ce que... Ouais, bien, 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 bien. Ça se passe comment, là? On recule. Vous, revenez sur le mur. Gagnerons cette guerre. Va là-bas. Viens. Toi, viens là. Super. Allez, ça se passe bien. Ça va, ça va, ça va. Disons qu'on a eu un gros fail au début, quoi. Non, il faut une pause de rien du tout, là. D'où il faut une pause? Ah oui, il m'attaque pas? Bah si, si, il m'attaque. Bélier, armure lourde, baliste. Oh là là, les balistes. Oh là là, les balistes. Ça va être compliqué. Hein. Tirez là-bas, on s'en fout de... Vous là, allez vous soigner. Je vais en profiter pour aller me soigner. Ne vous laissez pas déstabiliser. Allez, les gogos. L'ennemi est sur nous. Ouais, donc justement, voilà. Vous, ça va? Soyez vigilants. Ok, vous, ça va. En position. Vous aussi, allez vous soigner. Par contre, dépêchez-vous de vous soigner. Hein. Oh là là, j'ai eu des morts. Ouais, moi je suis pas sûr que je la gagnerai cette guerre. Le roi ne faillira pas. Voilà. On casse ça. Génial. Détruisez tout. Ok, c'est bon, on rentre. Allez hop, demi-tour. Oui, alors 5 secondes. Légolas. Tac. Mince. Mes archers, revenez là, vite. Bien ça, Légolas. Ça c'est pour toi. Ah, c'est pour vous les gars. Oh, les mines. Légolas, la mine elle est pour toi. Il faut que personne ne tire sur la mine, surtout. Bien Légolas. C'est bien Légolas. Allez, allez, mais qu'est-ce qu'ils foutent? La porte doit... Mince, la porte, la porte, la porte. Ils doivent être défendus. Renforcez les portes. Tenez bon. Ouh là 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 là. Je prends cher. Ils ne font pas leur laisser aucun répit. Eh oui, je prends cher à cause de ça. Ouais, 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 ouais. Conduisez-les à la ruine. Ok, on va ouvrir la porte. Manœuvre.
Manœuvre défensive de l'extrême, les gars. On ouvre la porte, comme ça le bélier peut plus m'attaquer. En fait, il faudrait que j'attaque à fond, ça. Ouais, ouais, t'inquiète. Maintenant, on peut fermer la porte. Ok, demi-tour. La manœuvre en bois. Oh là là, la manœuvre Leader Price, les gars. Oh là là, c'était pourri. Ok, bon, merci d'avoir participé. Hein. Allez, salut. C'était complètement moisi. Ok, est-ce qu'il reste encore des gens? Oui, il reste des gens. Ok. Bon, eh, ça se passe bien. Non, on ouvre la porte. Merde, ils ont cassé la porte. Bon, ça n'a pas fonctionné, tant pis. Ça va être compliqué. Ouh là là, mais c'est pas bon ça. Allez, on recule. En fait, c'est ça qui me fait le plus de mal, hein. Vraiment. Hein. Mince, Théoden est mort, et Eowyn a suivi. Eowyn va suivre. Ça fait beaucoup trop mal. Allez, Gimli. Viens, Gimli. Eowyn est morte. Bon, ça arrive. Oh, et Gimli aussi. Oh là là, mais c'est une hécatombe. Il a... Mince. Oh là là, je m'endors. Ce ne sera pas long. Faut tirer là. Bien, Legolas. Bien. C'est le seul mec efficace. Tirez là. Voilà. Brunir, tu t'en sors bien. Aragorn. Viens apporter du renfort là. C'est une blague, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là. Ah, le petit extrait de film, ça fait plaisir. Enfin, ça fait pas plaisir, mais. Ok, repli. Ok, il faut qu'il fasse beau, les gars. Aragorn, faut se dépêcher, Aragorn. Allez. Oh là là. Bon, je suis là. On va profiter du trou dans le mur pour voilà, défendre la forêt. Pour passer de côté, hein. Ici, l'ennemi, à couvert. Ok, Elendil, on va faire fuir les gens comme ça. Et on va profiter de faire fuir tout le monde. Non, il va mourir, Aragorn. Oh là 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 là, le décès d'Aragorn. Oh, mon dieu, c'est pas gérable. Restez vigilants. Vous là-bas. Ok, ça va servir dans l'immédiat. Legolas. Non, je perds plus de héros, c'est pas possible. Je ne perds plus de héros. Allez, on envoie le monde. Oh là là, les elfes ils prennent cher. Ok, bien. C'est vraiment les balistes hein, qui font énormément de dégâts. Hein. Et ouais, je sais, mais je peux rien faire. Mais... Ouf. Ok, on garde les arcs. Tant pis, repli. Oh là 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 là. Faut tenir 3 minutes. Il est où, Boromir? Vas-y, on va le faire attaquer ça. Oh, c'est pas possible. Soyez aux aguets. Il me reste une troupe d'archers, quoi. Il me reste rien d'autre. Et Boromir. Ok, merci, Boromir. Le mec le plus inutile de la planète, quoi. Les objectifs ont changé. Ok, faut que je détruise toutes les forces de Isengard, pas de problème. Alors là, vous tirez là-dessus, les gars. Encore. Bien. Ici. Bien. Ok, super. Yes.
C'était compliqué. C'était extrêmement compliqué. Ah, ils m'ont fait un carton. Bon, bon, on a plus Legolas. Legolas et Boromir. Super. Super, super. Où il va, Boromir? Ok, bien. Je reconstruis mes puits. Ça me fera toujours une position de repli. Hein. Et on vient là-bas. Super. Attention aux balistes. Il y en a deux. Ah, il me reste des elfes là. Ah, ils sont deux, ils sont deux. Ok, les gars, retournez vous soigner. On verra après. Ok. Oh là 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 là. Ok, vous tirez là-bas. Ouf. Oh là là. Ah, c'est beaucoup trop puissant. C'est pas possible. Il faut que je retourne à l'intérieur. Je peux pas rester à l'extérieur du gouffre. Ah, mais dans une minute, il y a Éomer qui arrive. Oh là là. Ah, il me reste personne. Ah, c'est un vrai massacre. Gardez vos sens en éveil. Legolas, tu vas rester un tout petit peu en avant. Ah, mais il y a une mine là. Ok, merci Legolas. Ouais. On va pas faire les fous. Des orques sont peut-être proches. Soyez vigilants. Vous, il faut que vous reveniez là, clairement. Ne perdez pas courage. Soyez prêts. Et vous aussi, il faut vous soigner. Je les arrêterai. Arrêtez. Legolas, fais pas le dingue. Soyez prêts. Gardez vos sens en éveil. Tiens, va détruire ça là-bas. Là on est pas mal. Là on est pas mal. L'ennemi est désormais puissant. Qui est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bien ça. Restez vigilants. Des orques sont peut-être proches. C'est bon. Allez hop. Éomer. Éomer arrive. Et pour le coup. Voilà, histoire d'être thématique, le soleil arrive, tout ça. Homme de la marche. L'ennemi est devenu plus Gandalf, puissant. Monte sur ton cheval. Il faut porter la guerre contre eux. Et maintenant, on lance la charge. Allez hop, c'est parti. Allons au galop. Ils ont pas de pitié, on va faire un carton. Voilà. Super, super, voilà, ça fait toute la différence. Là, ça fait la différence. Oh là là. Bien, Éomer, c'est ça. Allez hop. Viens là, toi. Super. Tu vas lancer ce pouvoir ici. Attention, je ne veux pas de perte parmi les cavaliers. Ils sont beaucoup trop précieux. L'ennemi est désormais puissant. Génial. Ne nous attardons pas. Ce mal doit disparaître. Tiens, je sais pas trop si la lumière est arrivée à faire un truc. Ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. Bien. Oh là là, Éomer qui fait du bien. Alors par contre, ouais. Je les arrêterai. Toi là. Que nos pas soient légers. Celui-ci est à moi. Nous devons défendre nos terres. Alors attention. En avant, préparez vos armes. Préparez-vous au combat. J'ai pas envie de mourir. Ok. En fait, il y a plus que ça, donc. On va envoyer Legolas et ce sera terminé. Guerrier, en avant. Super. Bande du roi. Tiens, faites une halte là, vous. Voilà.
comme ça. Hein ? Super. Voilà, c'est ça qu'on veut. Regarde, le pouvoir de Gandalf. Ok, super, Gandalf niveau 6. Allez hop là. Oula, oulala. Que se passe-t-il ici? J'ai quelqu'un moi à la base ou pas? Non. Vous savez quoi? On va envoyer Gandalf à fond. Parce que s'ils me prennent... j'ai 4 morts quoi. Oh la dinguerie. Oula, mais j'ai eu beaucoup de pertes. Vous savez quoi? J'ai eu beaucoup de pertes. Donc on va se replier ici. Et je vais laisser Boromir finir le travail avec les armées qu'il y a ici. Ça devrait suffire. Parce que là, j'ai eu beaucoup de morts. Et j'espère juste que j'ai pas perdu d'unité. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de mecs en moins. Ouais, Gandalf, tu vas venir là, s'il te plaît. Comme ça, on va défendre. L'ennemi est là. Mais je sais qu'il est là, l'ennemi. Attendez, je veux juste d'abord que Gandalf... Réparez vos armes. Oups. Réparez vos armes. Voilà. Quand tu veux. Super. Voilà, c'est bon. Allez hop, Boromir. Génial. Allez hop. On va là-bas. Et c'est fini. Oula, j'avais oublié des troupes même. Ah oui, j'ai des cavaliers partout en fait. Ok, je me suis inquiété peut-être un peu pour rien. Et voilà. Victoire. On tue les derniers là. Super. Siouf. Eh, compliqué. Compliqué. De courageux guerriers ont vaincu le mal. Alors. Aragorn, Théoden qui sont morts, qui font les fiers là-bas alors qu'ils sont morts comme des cacas. Enfin, surtout Aragorn, c'était minable. Théoden, je sais plus comment il est mort. Tué par des wargs, je crois. Ok, pas mal, pas mal. Ah, Gimli n'a pas passé de niveau, mince. Super, super, victoire totale. Eh oui, 30 points de commandement et je crois qu'on est limité à 300. De pouvoir, pourquoi pas. On a créé 177 unités, ouais. On a tué 1600 rocailles, pourtant il était censé avoir deux armées de 2000. Hein. Ok, très bien. Bon, parfait. Ah, oh, j'ai toujours mes exilés des Doras. Génial. Qui sont niveau 8. Hein. Super balèze. Hein. Super balèze. Hein. Et voilà, bon, les Golas, ok. Toujours la même longueur d'avance. Hein. Ah, j'ai quand même des troupes du gouffre de Helm. Hein. J'ai un bataillon d'elfes. Deux bataillons d'elfes. Et un bataillon de paysans. Vous voyez, c'est vraiment des paysans. Hein. Quand je dis paysans, c'est parce que c'est des paysans. C'est... Enfin, je les aime pas en plus, hein, mais c'est des paysans. Ok. Donc, je vais renommer tout ça, pardon. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fini de les renommer. Donc, paysans du gouffre, elfes du gouffre, parce que je les ai créés au gouffre de Helm. Et elfes de la Lorien, parce que ce sont ceux qui sont venus de la Lorienne pour nous aider. Voilà, tout simplement, j'ai oublié personne, parfait. Allez hop, continuez. Oh, une victoire qui fait bien plaisir. Ouais, voyez, on est limité à 300 points de commandement. Une grande partie de l'armée de l'Isengard est anéantie. Mais il faut en finir complètement avec Saruman. Ok, donc... Prochaine étape, c'est l'anéantissement de l'Isengard avec l'armée de Sylvebarbe. Super, la dernière marche des Ents. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cet épisode challenge vous aura plu. En tout cas, moi je me suis éclaté à faire cette bataille et à la partager avec vous.
Et je vous dis, eh bien, à très bientôt pour la chute de l'Isengard. C'était le commissaire. Salut, salut.